Shalom, shalom, le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous, je suis bel et bien arrivé à Genève en cette date d'aujourd'hui, du vendredi 29 juin 2018. J'ai juste derrière moi le prince, le brigadier, un des membres du comité 2 de la Suisse. Voilà, il fait partie du comité de la Suisse, un membre influent du comité de la Suisse. Je tenais à dire de passage shalom à Sylvie, Madame Sen, voilà, je vous dis, elle est très bien organisée, sachant que le prophète venait. Maintenant, il fallait qu'un brigadier soit là. Voilà, lui, il s'amuse pas, son papa, prophète Crasso. Hein. Ça dit, tu es comment il va. Je ne parle pas beaucoup. Ça dit, nous sommes tous les brigadiers. Voilà, donc, voici ma fille. Voilà, voici ma fille. Je suis venu voir ma fille. Et on est ensemble. On est ensemble jusqu'à, on dit, chez les Camerounais, jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Chez nous, on dit jusqu'au terminus. Les Camerounais disent jusqu'à la gare. Chez nous, on dit jusqu'au terminus. Voici les gens qu'on dit aiment leur papa. Voilà. Donc, je suis prêt. Hey, vous les sorciers, je suis là. C'est comme ça. Je veux vous mater. Le maréchal est là. Vous avez fait tout. Tout. Je suis là. La fille a pleuré. Bien, elle est devenue bizarre. Je ne voulais pas. Je voulais partir. Qu'on appelle les villes bizarres, Luxembourg, dans les trucs. Dieu dit non, si tu vas, la fille, elle va aller à Mauritanie. Ouais. Elle va aller. Et donc, c'est une fille, c'est ma fille, il y a longtemps, elle me suit. Ouais. Longtemps, elle me suit. Années. Deux années qu'elle me suit, tout ça, pardon, papa vient. Vous savez, mon programme est chargé, très chargé, le calendrier est trop chargé, à cause du don. Je dis toujours, les gens, ils ont des yeux pour voir, ils savent ce qui est un prophète grâce, ils savent, c'est en fonction du don qu'on m'invite. Tout va bien, je suis à l'hôtel, je suis à mon hôtel, je suis très bien logé et franchement, un hôtel de 5 étoiles, c'est l'hôtel de tous les présidents, ça dit, ici qu'on appelle la ville, Berne, c'est la capitale économique, c'est la capitale même de la Suisse, n'est-ce pas? C'est la capitale de la Suisse. Et puis maintenant, Genève reste la capitale économique. Non, politique. Ici, c'est politique. Oui, politique, c'est ici. Voilà, donc ici, ok, autant pour moi, Berne, c'est la capitale politique. Politique, Genève reste la capitale économique. Donc, on descend à Genève, qui fait 1h30 d'ici. C'est 1h30. Et je suis dans un hôtel de 5 étoiles. L'hôtel, comment on appelle? Schwarzenhof. Je n'ai pas marqué la case, je ne sais pas prononcer. Schwarzenhof. Il faut te critiquer. Schwarzenhof. Dali, il faut manger le plat là pour prononcer ce nom. C'est en allemand. Schwarzenhof. Ah, il y a Kenan encore. Très bien. Donc, je suis bien arrivé. Voilà, tout va bien. Je suis avec mes enfants et je suis avec le papa. Ça, c'est l'élément sur le groupe de la Suisse. C'est, n'est-ce pas... dis ton nom, monsieur. Prince. Ah, dis ton nom, tu as quel problème? C'est Prince. Tu as quel problème, Prince? Vous voyez sa femme. Il a une femme magnifique, une très belle femme. Le jour où il laisse cette femme, c'est qu'il a des démons de dragon. Merci papa, bien dit ça, je vais toujours me souvenir de cette vidéo. Faut te souvenir de cette vidéo. Ah, oui. Le jour où le monsieur il laisse cette femme, c'est qu'il y a un esprit de dragon. On va pas seulement dire au nom de Jésus, on va prendre les chicotes pour chicoter ses fesses. Tu as compris? Là, la rhéntologie va partir. Mais il est sage, c'est mon fils qui est très sage. Il est très sage. Le père arrive, il va l'accueillir à la réponse. Voici ma fille. Ma fille, pardon. Tu es la star du jour. Oui. Donne ton nom. Partout. Pascal Feugeli. Voilà, donc celle qui m'a roulé dans une poche Cayenne. Voilà, donc voici ma chambre. Ils m'ont dit, ah, prophète, lui, il fait malin. Je vous en prie. J'ai vécu dans le village. J'ai dormi dans les moustiques. J'ai dormi dans les paillasses. Dieu me fait la grâce 2018. Je suis à Berne. J'ai fait comment? Il y a des étapes. J'ai expliqué mon histoire. Voici. Oh, moi, je dormais. Je suis dans la douche où il y a porte, on soulève. Il y a paille. Tu regardes, mais on te regarde un peu. Tu dis, Seigneur,
vaincu, hein, sortez, on vous regarde les pailles. Voici douche aujourd'hui. Et regardez, les gens, ils pensent qu'il y a une histoire, voici la douche. Voilà, donc, voilà, c'est une hôtel de 5 étoiles. Voilà, donc je suis là pour une mission et je serai demain, n'est-ce pas, à l'ONU, au niveau de Genève. Voilà, donc tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà, les gens, ils pensent qu'on se lève un matin pour voyager. Donc, c'est pour ça que les gens, ils jalousent, ils sont fâchés. J'ai compté mon histoire à partir d'hier et avant-hier. J'ai dit, je suis parti, j'ai eu un parcours. À un moment donné, j'ai laissé la ville, je suis allé en brousse. J'ai vécu la galère. Je me suis lavé avec eau usée, marigot. Aujourd'hui, Zaroko, ils ont de l'eau potable. J'ai vécu dans une maison où il y avait des salamandres, où j'avais des magnas, fivus magnas. C'est la première fois où magna me piquait. Je n'ai jamais vécu ça. Je sors et je tombe dans magna, je ne sais pas. Un m'a piqué, j'ai dit, c'est quoi ça? Deux me piquent, je sais quoi. Quand quatre m'a piqué, mon pantalon à terre. Parce que ça a commencé à me mordre partout. Et j'ai commencé à crier. Wah! Je suis au salon. Magna là, ça l'est lui, son mec, il t'a piqué. Tu cries. Tu n'as rien plus honte. On dit, hey, papa, j'ai dit, il n'y a pas fait de papa. Papa, il y a quoi? Les djoula dit, Laila, Mamadou Rasoulo, yo, Laila. Pasteur, le prophète, la fille, avec sa petite culotte, il a laissé le pantalon. Les maniens m'ont piqué. Ils m'ont piqué. Ils m'ont piqué. Et j'ai vécu ça. Et ma fille. Je tombe dans Magna, ça m'a fait, j'ai fait un, j'ai dit ça va partir. Tu vois, non? Ma fille, ça me pique quand il dit, bon, je l'écrase comme ça. Il n'a rien dit, oh, il y a beaucoup dedans. J'ai fait un comme ça. Ah! 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 Donc, j'ai enlevé. J'ai fui. On dit papa. J'ai dit, j'ai pas vu de papa. Papa en danger. Papa attaqué par les Magna. J'ai pas vu de papa. Donc, j'ai vécu trop de choses. Pourquoi vous m'attaquez? Un homme comme moi, là, vous devez m'aimer. Mon fond, il n'est pas mauvais. Quelqu'un qui vit dans la brousse, qui pense aux enfants, qui les aide, qui les fait évoluer. Donc, si aujourd'hui, laisse-le boire. Donc, voilà. Voilà. Donc, je n'ai pas un fond mauvais. Les magnans m'ont piqué. Ma fille, magnan, ça me pique, je dis rien. Magnan, là-même, là, il vient en solo. Ça dit, il te pique tout souvent. Tu dis, bon, tu l'as pris dans le pantalon, tu as crasé un. Voilà, il dit rien. Il y a un qui te pique à côté, tu dis non. Lui, là, je l'ai eu, encore, il est vaincu. Le troisième. Maintenant, cinq attaques, tu ne peux plus tanner le pantalon. Ceux qui sont au salon, là-même, là, peut-être qu'il a envie de fuir. Qu'est-ce qu'il a vu? Tu fuis. Donc voici lit. Il y a des lits quand tu dors, l'esprit des morts fuit. Prince, entre nous, ici là, c'est quel esprit des morts qui va venir? Non, il n'y a pas l'esprit des morts. Quel esprit des morts qui va venir te biper pour dire, tu vois, en juillet, on a rendez-vous. L'homme, il a peur de venir prendre rendez-vous avec toi. Il a peur de venir prendre rendez-vous avec toi. Quand il regarde même là, l'humain sait qu'il a peur de rendez-vous avec toi. Donc tout va bien, je suis à mes enfants spirituels. Ça fait plaisir d'aider les gens, ça fait plaisir de se voir. Voilà, dans le cœur de tout. Je rentre dimanche à Paris. Voilà, je rentre encore dimanche à Paris. Ils ont bien mis mon nom. Voilà, ils ont bien mis mon nom. C'est en anglais. Votre affaire d'allemand là, je vais apprendre. Je suis quitté à Nuremberg. C'est qui m'a montré? Direction général, son équipe vous souhaite un agréable séjour. Super. Schwarzhofburn. Voilà. Voilà, un agréable séjour. Voilà. Voilà, donc c'est super. Voilà, super bien. Nous sommes très organisés. On a commencé à prendre toute l'Europe. On a commencé à s'organiser. Quand le prophète se déplace, tout va bien. C'est ça que tu dis, c'est petit. Pascaline, elle dit, c'est la chambre. Ça, là. Oui, je crois que c'était...
C'est une bonne chambre. Ça, c'est une belle chambre pour le prophète. C'est une très belle chambre. J'ai dormi dans 10 paillasses. J'ai dormi 6 paillasses. Vous connaissez paillasses? Vous connaissez paillasses? Est-ce que vous connaissez paillasses? Tu connais paillasses? Je t'explique paillasses. Chez nous en Côte d'Ivoire, paillasses là, on prend les herbes qu'on a nettoyées là. Après, on prend les sacs qui font de sucre là. Où on met sucre dedans, sac là. Et puis, on prend tous les herbes. Ah, en fait, c'est ce qu'on appelle paillasse. Ah, okay. J'ai dit, le jour où j'ai dormi, c'est ça, il y avait punaise. Mais c'est bon, mais punaise, tu connais punaise? C'est que moi j'ai vécu dans ma vie. Je me lève matin, il y a les choses, mon corps est rouge ou rouge. Vous avez aussi les chics? Bon, chic là, j'ai évité ça. Alors là, vous n'avez pas tout vécu. Non, j'ai vécu. Je suis allé à Grand là-haut, en bordure. J'aime bien la, où il y a la lagune, il y a la mer. Mais on m'avait déjà préparé à ça. Donc, matin, je mets les interstices sur mes pieds. Ah, oui. Parce que les chics, là, moi, ça m'a bien conçu. Non. Je mets les interstices sur mes pieds, puis je marche, puis je les regarde maintenant. Dis, venez m'attaquer. Mais chic, mais punaise, c'est la nuit. Je ne savais pas. Ils m'ont mis dans punaise. Je me lève, mon corps est piqué. C'est rien. Mais la culotte qui est prise pour dormir, là, quand j'ai tapé comme ça, plein de sang dedans. Je dis, c'est quoi ça? Je regarde les bêtes. Je regarde le cheveu de matelas. Ma fille, je suis villageois. Mais je suis villageois. C'est autre où? Mon travail, c'est au village, ma fille. C'est au village. Je n'étais pas de village. Donc, je regarde au chevet du lit. Mais attends, j'ai commencé à voir la chair de poule. Plein de punaises, plein de sang. Quand j'ai touché, quand j'ai dit, pardonnez, même si on dit Dieu m'a appelé là, je ne suis pas venu parmi les vampires. Mon sang, si j'ai tombé ici. Aïe. Mais ce n'était pas mystique. C'est pas mystique. Paillasse, là, ça attire ça. Oui, d'accord. Il y a les épinesses quand tu vas au village. Les poussins, il y a les poules, les chiens, les trucs là. Ah, tu sais ça. J'ai vécu tout ça. Nous, on avait ça. Hein. J'ai vécu ça. Donc, c'est pour ça que pour rentrer dans ma vie, il faut te préparer à ça. Voilà. Donc, les gens, ils sont jaloux. Mais c'est mon histoire. C'est mon histoire. J'ai mon histoire. Je suis venu en 2015 à Paris. Quand j'ai annoncé le prophète Krasso à Paris, en 2015, la salle est remplie un mardi, toute la salle. Les gens, ils savent où il y a l'onction. L'onction, c'est la matière qui attire la grâce de Dieu sur les gens. Ce n'est pas une question de nom ou bavarder. Moi, je sens publicité. Les gens, ils savent, quand ils regardent le prophète Krasso, ils savent que lui, là, il a la solution à leurs problèmes. Il a la solution à leurs problèmes. Aïe! Bon, est-ce qu'il y a Garba ici? C'est quoi Garba? C'est ma fille, c'est Acheke, Poisson-Ton. Bien sûr, Acheke! C'est où? Il y a Poisson-Ton. Le Poisson-Ton? C'est où, ma chérie? À Bien! À Bien! C'est où? Voici la femme c'est de. C'est quoi le commun? C'est à Bien! À Bien, il y a Acheke. 20 minutes. Il y a Acheke, le bon Acheke même. Et le Poisson-Ton? Oui! Je vais. Garbatisé tout à l'heure. Restez tranquille. Quand il y a Keke, Pat, dégage. Et si on a. Il appelle alors la femme là. Quelle femme? Il faut préparer déjà la femme pour dire viens. Il faut aller juste dans les. C'est un mangeur qui arrive. Ce n'est pas les boutiques, c'est là où les femmes préparent le restaurant. C'est un mangeur qui arrive. On dit donnez-lui à manger. Ils vont me donner, s'ils m'ont logé dans une chambre de 5 étoiles. Parce que les gens pensent que non. Oh, je suis au régime, le vent est parti. Les gens pensent que le prophète, il fait malin. Non, j'ai dormi. Il y a des gens aujourd'hui, là, ils sont à Paris. Là. Ce qui est vécu, là, il ne peut même pas vivre le tiers. C'est vrai. Ah, il ne peut pas vivre ça. Il ne peut pas vivre. J'avais moi, il mangeait banane braisée. Moi, il mangeait banane braisée. Mais c'est bon, là. Mais ce n'était pas mon alimentation.
C'est très bon. Je mange tes critiques sur graines. Je demande pas graine. Oui, bien. Il est en vidéo. Mais on entend de ce débat causerie. C'est ça qu'on appelle causerie. Causerie débat. Il m'a envoyé une histoire. Je peux vous conter ça? Mm-hmm. On va débattre ensemble d'histoire. Mm-hmm. J'ai un monsieur qui m'a envoyé une histoire. Il aimait une femme, n'est-ce pas? Il s'aimait tellement, n'est-ce pas? Et le monsieur, n'est-ce pas? Il aimait beaucoup la femme, n'est-ce pas? Il a promis de marier la femme, tout ça. Il fait beaucoup de choses pour elle. Et n'est-ce pas? Il s'investit. Mais pourquoi tu t'en vas? Je t'ai posé un débat. Non, ça fait rien. Pour checker. Oui. Tout le monde va réfléchir sur le débat. Parce que ça me fatigue le cerveau. Okay. Peut-être que vous allez m'aider. Moi-même, j'ai perdu. Il aime bien la fille et son frère aimé. Maintenant, c'est dans le comportement, on voit l'amour, n'est-ce pas? Mm-hmm. Toi, il décide, il veut épouser la fille. Il a aidé la fille, il a fait beaucoup de choses avec la fille, tout ça et tout ça. Maintenant, la fille, comme on sait que le monsieur l'aime beaucoup, pour détourner le monsieur de la fille, les gens lui envoient des messages pour dire que le monsieur qui est là, il a tant ans, il a quelqu'un dans sa vie, il a patati dans sa vie. Donc la fille, c'est lui qui m'explique après. La fille a changé un moment de comportement. Il a vu que la fille est devenue agressive. Il ne comprend pas. Et la fille est devenue tellement agressive que quand il lui parle, la fille n'écoute plus. Donc le changement de cette fille, il a dit, mais j'étais bien expliqué au départ que voici ce que je n'aime, voici ce que je n'aime pas. Parce que c'est comme ça, quand on se rend compte, n'est-ce pas? Chacun explique le caractère de l'autre. Or, ça fait que le monsieur a commencé à comprendre. Parce que quand quelqu'un change, on sent, hein, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui, mentalité. Il sent que la fille a changé. Et donc lui, or la fille, elle n'était pas encore séparée de d'autres relations. Elle est dans une relation. Donc du coup, elle a commencé à douter. Quand tu doutes de quelqu'un, ça veut dire que toi, tu as un problème. C'est pour ça que par moment, quand tu vis avec quelqu'un, c'est ça, c'est ce qu'il dit qui est plus important. C'est que les gens rencontrent à côté. Pascaline, elle se tord un peu. Oui, parce que... Non, c'est la vérité. Si tu as une information, viens lui demander. Il faut avoir ce courage-là de lui demander. D'abord, ne prends pas une position. Demande-lui les faits. Il va te répondre. C'est quand on a une position qu'on ne passe pas. Et les âmes faibles sont facilement pris par leur proie. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, les gens savaient qu'il fallait faire ça. C'est ce qui m'explique. Et du coup, ils ont pu la voir. Parce qu'elle est devenue bizarre et tout ça. Donc, le monsieur, la fille est agressive, elle est bizarre, tout ça. Or, lui, bon, il est nouveau chrétien, il est tout ça. Et ça fait qu'il a commencé à réfléchir. Or, il a mené une enquête, il a compris que la fille, elle avait d'autres relations. Grave, elle était encore plus pire que lui. Elle est encore plus pire que lui. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, un matin, il se lève. Les gens lui disent, oh non, le monsieur, il est comme ça. Non, c'est fini, il ne va même pas te marier. Il est mauvais, tout ça. Elle n'a pas attendu. Et puis un matin, il voit sur son Facebook et dit, je suis fiancé. Non. Oui, la fille, mais je suis fiancé. Donc il y a eu des commentaires. Mm-hmm. Donc le monsieur s'apprêtait à lui faire une surprise. N'est-ce pas? D'ici deux semaines. La personne montrait aux yeux du monde, comme elle doutait de lui, il va lui montrer d'ici deux semaines, n'est-ce pas, qu'il l'aime. Parce que le monsieur préparait des choses. C'est vrai, alors, les gens ont des défauts, hein, mais il y a des amours, il y a une personne que tu vas aimer, tu ne vas jamais oublier, n'est-ce pas? Donc le monsieur, il s'apprêtait, et puis du coup, il appelle la fille, il dit, mais oui, parce que j'ai appris que tant, tu es engagé dans une relation, tout ça, et donc tu es fiancé. Elle ne parle pas. Elle dit, elle est bizarre avec lui. N'est-ce pas? Lui, il n'a rien dit. C'est ce qu'on appelle chez les bétés, chez les Ivoiriens, il a eu goumé. Vous savez, chagrin de cœur. Il a commencé à avoir goumé. Or, la fille, quand elle a vu ça, elle s'est jetée dans le bras. Elle a commencé à se pavaner. Or, ça veut dire qu'elle était déjà dedans. Elle attendait une occasion partie. Or, le monsieur, il était là, il regardait. Maintenant, le monsieur, ce qu'elle pensait du monsieur, ça ne s'est pas réalisé. Tu vois? Maintenant, elle veut. Maintenant, elle a vu la fille avec ses enquêtes, avec les preuves à l'appui, que la fille allait se pavaner, tout ça. Donc, elle attendait certaines choses. Maintenant, elle-même, elle constate que le monsieur, mais ce qu'elle pensait de lui, c'est pas ça. Elle veut revenir. Vos réponses? Non.
Moi, j'ai dit, voilà. Donc, vous avez compris. Non. C'est pas dans la bouche du prophète, tu vas manger ton jacaura. Je lui ai dit, moi-même, les migraines, il faut laisser causer comme ça. Je suis prophète, causer comme ça, là. Faut laisser. Il dit, mais papa, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, moi-même, là, quand il me regarde, là, quelle est ma réponse? Il dit, non, le Seigneur dit, faut pardonner. Il dit, hé, mon frère, ah, pas un truc où on vient facilement comme ça. Parce qu'elle a vu, elle pensait, donc ça veut dire qu'elle n'a jamais été sérieuse, toi. Elle avait déjà une position, elle a déjà annoncé, toi, tu n'as jamais annoncé. Les gens lui disent, ils rencontrent des choses. Il faut qu'elle attende que tu lui dises ça de vive voix. Elle n'a pas attendu. Donc, elle a pris une position. Ce n'est pas maintenant qu'elle va rentrer dans ta vie. Shit. Je lui dis, ah, le prophète parle mal. Hein? Mais une femme qui t'aime, elle s'en fout de ce que les gens rencontrent. Mm-hmm. C'est la vérité. C'est une femme qui t'aime, là, elle va te conquérir. Mm-hmm. Qui prend l'exemple? Est-ce que moi-même, on ne me drague pas? Moi-même, là, on me drague, Maréchal. On m'envoie des messages, je veux t'embrasser, je veux faire la rentologie avec toi. Oh. J'ai dit, je suis pas un rentologue, je suis un délivreur. Tu es gêné, non? Tu ne me connais pas ma bouche. Tu ne connais pas ma bouche. Je veux faire la rentologie. J'ai dit, je ne suis pas un danseur de Makusa. Je suis un délivreur. Oui. Donc, je ne remis pas. On dit, l'amour pardon. L'amour pardonne. Ok, elle va te montrer qui a mis dans ce... L'amour aussi s'abstient. L'amour permet aussi de prendre les gens sérieux. L'amour permet aussi de croire. L'amour permet aussi de faire quelque chose. Moi-même, là, mais je m'abstiens. Les femmes me demandent pardon. Quelle femme je n'ai pas rencontrée, face to face, qui prend avion pour venir s'asseoir dans mon bureau pour dire, tu es un charmant garçon. Tu as une enveloppe. Quand tu vois 2000 euros, tu as les frissons. Tu vois déjà, tous tes problèmes sont réglés. Non, tu ne prends pas. Non, je prends d'abord. Parce que je ne connais pas la suite. Ma vie. C'est la suite, là, je ne connais pas. On dit, prends ça, tu es bien. Oui. Tu es mon papa, tu es jolie. Oh, elle prépare ton esprit. Femme, elle a jeté, elle a poussé le pion. Maintenant, 2000 euros, tu as les frissons. Ça tombe sur toi. Et tu es dégagé. Tu vois tous tes problèmes réglés. Facture de temps maison, puis appétit, mougou mougou, où tu allais manger au restaurant, où il y a, si même s'il y a petit problème qui vient, tu es prêt à gérer ça. Tu comprends? Maintenant, après, ça va venir, elle dit, mais quels sont les besoins d'ici? Quels sont les besoins? Toi, ma fille, elle est bien. Non, oui, je vais régler. Elle te donne 3000 euros pour payer les chaises. Pour faire... toujours. Il a fait comment? Ma vie, il a fait comment? Si elle est possédée là, elle n'est pas possédée. Non, si c'est tout, non, ça, c'est bien. Moi, je suis rassurée. Ma fille, l'argent n'est pas possédé. Donc, je prends. Non, je ne sais pas. Or, c'est à pas. C'est des appâts. Donc, elle se dit. Non, tu ne savais pas qu'elle te faisait la cour. Non, je vois que elle voit que je suis dans les besoins. Ah, d'accord. Or, je suis dans la galère, dans la souffrance. N'est-ce pas? Je suis dans la souffrance. Donc, elle regarde tout ça. Et puis maintenant, elle me fait asseoir. Pour dire les factures d'ici, c'est combien? Tout ça. Bon, je règle ça sur 3 mois. Tu es libéré. T'as dit, tu vois ta délivrance. Le prophète même est délivré dans le bureau. Ma fille, je vous délivre là. Si tu vois délivrer, on me délivre. Les factures, ça me possède. Donc, on te délivre sur 3 mois les factures. Donc, toi-même là, tu as tous les honneurs. Tu vois, quand tu es délivré, tu marches, tu siffles, tous les problèmes. Et il y a toujours le stress. Donc, du coup, on me fait asseoir pour dire, mais toi-même, là, moi-même, je suis là, tu as vu que je suis prêt pour toi. J'ai dit, ça veut dire quoi? Elle dit, mais attends. Je vais t'acheter une voiture. J'ai dit, mais c'est une bonne chose. Mais il faut la rentologie. J'ai dit, mais c'est quoi la rentologie? Elle dit, mais tu ne connais pas ce qu'on appelle rentologie? Les reins. Tu ne connais pas les reins? Tu ne vois pas les reins. Il faut donner les reins. Qu'est-ce qu'on fait les reins? Tu es petite. Mais c'est fait l'amour. Elle a compris. Moi, voilà. C'est pas dans ma bouche, tu vas entendre ça. C'est pas dans ma bouche, tu vas entendre ça.
C'est ce qu'on appelle, nous on appelle rentologie. Rentologie, ça veut dire qu'on n'est pas grossier. On n'est pas grossier, donc on fait rentologie et puis tu comprends. Ton cerveau se travaille. On met ton ordinateur en marche, on dit rentologie, tu cherches et tu trouves. Donc du coup, j'ai dit, ah, ce travail-là, Dieu ne m'a pas donné ça. Dieu m'a donné, si c'est sorcellerie, tout un mois, j'ai les maths. Mais là où il y a rien, puis il y a théologie là. Tout ça. Donc, elle ne parle pas, elle te met 1000 euros. Ça dit, ça bipe ton esprit. C'est pourquoi? Non, c'est pour tes unités. Tu prends. Et puis, elle dit non, elle laisse. Hein. Et puis après, elle t'envoie des trucs seulement. Elle t'envoie des trucs. Des Winston Union, des trucs. Et puis un matin, elle te dit non, c'est toi, je veux marier. Hein? J'ai vécu ça trop dans mon là, ministère. Qu'elle tremble. C'était toi-même là, quand tu vois souvent, il y a des choses qui ne trompent pas. Toi-même, tu vois, souvent tu prends. Parce que à cause des factures. Et ma fille. Parce que quand ma fille, tu connais un problème? Oui, je connais. Problème où on doit couper ton électricité. Tu dis que le prophète. Ma fille, il va couper ton électricité. Il va couper l'eau. Tout le monde a fait. Je l'ai possédé. Mais les 1000 euros, ça règle ça tout. Ça règle tout. Toi, mais tu es là, tu es prêt. Ça peut régler les trucs, toi, tu es là. Maintenant, c'est après, elle montre qu'il y a rentologie. Oui. Puis là, maintenant, tu mets les barrières. Tu mets les barrières. J'ai vécu ça toujours, même pas hier. Chaque jour, les gens veulent faire les rentologies, le rentologie. J'ai dit, sur ce terrain, c'est ici même. La majorité, les gens... Des filles, que... elles viennent comme ça. Oui, papa! Parce que les gens papa! Elles papa! Ont besoin de... C'est pas ta belle-mère. Oui, c'est ma belle. C'est vrai. Papa! Oh, c'est la rentologie qui est derrière. Elle te donne l'enveloppe. Elle sourit à toi. Mais elle va te montrer qui a mis sucre d'aubergine. À la fin, elle te montre you look. Ah bon? Jusqu'à ce que toi-même, tu vas confirmer le code. Moi-même, Lama Divo, je suis face à face à une fille, excusez-moi, elle fait tomber son pain. Sinon, on habite en pain, elle n'a rien bas. Oh. Je suis face à face à elle, je les regarde, elle s'est trompée, elle me bip mon cerveau. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, oh, excuse-moi, ça a glissé. Je l'ai fait asseoir, j'ai dit, attache ton pain. Quand je l'ai envoyé, démon, j'ai chassé. Les démons commencent à parler. Elle non. Le démon, c'est elle. Mais c'est démon. Une personne. Mais une personne, c'est-à-dire que toi-même, là, quand elle fait ça, là, pour quelqu'un, un homme, là, hein, ton corps vibre. Parce que tu es un homme. Mais quand tu penses que dedans, il y a un démon, et si tu fais, le démon va rentrer en toi. Ah, ma fille. Ah, ah bon. Qu'est-ce qu'elle cherche pour venir te déshabiller dans ton bureau, ma fille? Ma fille, toi-même, tu calcules. On l'a envoyé. Ah, ben on l'a envoyé, c'est pour atteindre une mission. Petit onçon qui est venu là-bas manger ça. Il a fait comment? Les sorciers vont me tuer. Petit onçon, Dieu m'a donné là. Elle va manger ça. Donc, j'ai vécu beaucoup de choses. Tous les jours, on me dit, tu es mignon, tu es joli. J'ai dit, bon, Dieu même, là, tu m'as créé comme moi-même. Et les femmes, celui à qui on parle, elle veut nous démystifier. Vous ne connaissez pas les femmes? Quelqu'un qu'on voit toujours à la télé, quelqu'un qu'on voit, on parle de lui là, c'est lui, on cherche à faire la rentologie. C'est comme ça alors que les femmes sont. Je présente le prophète à ma mère, maman va se dire non. Hein? Ah ouais? Elle dit quoi? Oui. Elle dit quoi? Que si elle te présente à sa mère, sa mère va dire que... Elle va aussi faire ça. Elle aime la rentologie. Ah bien sûr, c'est son boulot. Hein. Pour les petits, elle aime les petits garçons. Ah oui. Elle est où? Elle est là. Elle est là. Ah, super. Elle est ici. Moi-même, les vieilles mères, elles me fatiguent. Elles sont les vieilles mères. Mais elle n'est pas vieille. Non, j'ai dit moi-même les vieilles mères. Je connais beaucoup de vieilles mères. Elle me bip. À Divo. Elle vient à Divo. Quand
toi tu es gentil. Si c'était elle, devait avoir fait les yeux doux. Oh non, elle est délivrée. Non, je dis que toi tu es bien. Je dis si c'était elle, toi. Ah, demande à Prince. Elle allait me regarder comme ça. Eh, ça va, le prophète. Comme tu parles, tu vois. Le prophète. Le prophète. Aujourd'hui, assieds-toi. Tu veux manger quoi? Je veux manger Plakali. Plakali? Oh, on reste tranquille. Restaurant ivoirien. Plakali, Plakali. C'est quoi? Elle va trouver. Tu connais les femmes qui font rétologie? C'est rare. Va... Ici, mais ce jour-là, elle va faire comment spécial Genève? Allô? Genève, oui, regarde. Genève vient. Ça va venir en colis express. Oui, Genève, en colis express, ça vient en avion. En avion, jet privé. Ça se dépose à l'hôtel ici. Toi, mais tu es content. Tu dis, ah. Oh, elle va te montrer qui a mis sucre dans l'aubergine. Voilà, donc c'était une parenthèse. Justement, pour sourire un peu, pour se détracter. Après le stress de l'avion. L'avion, là, il n'y a pas eu de turbulence. Il n'y a pas eu, non? Ma fille, en hiver, quand tu voyages. Oh là là, j'ai l'avion fait quoi? Quoi, 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 tu dis Seigneur? Oui. Les sorciers, vous là? En 2015, quand on voyageait. Moi-même, là. En 2015 aussi, j'ai failli tomber ici, à Francfort. Hein? Juste quand le chariot est quitté en derrière, c'est monté, c'est venu jusqu'à devant. Tous les garçons, quand c'est descendu, tout le monde applaudit. On me demande, monsieur, vous ne souriez pas. Il dit, je ne souris pas, mais laissez-moi tranquille. Avion, ce n'est pas mon camarade. Hein? Je suis... Elle ne pas les souris. Je suis fâché. Quand je suis descendu, j'ai demandé le billet de TGV là, c'est combien? TGV, ça fait combien? Pour aller à Paris, si je vais faire 4 heures. Je préfère faire 4 heures. Tu vois, tu attends, toi-même tu vois, tu dis, eh Dieu. Qui m'a envoyé? Oh, tu as fait ces filles. Les photos, tu as montré que tu es dans l'avion. Mm-hmm. Mais le témoignage, l'avion t'a montré. Oh. Et Dieu, on vit les choses. Hein? Donc, quand je suis venu, fâché. On dit, monsieur, vous ne souriez pas. Il dit, mais j'ai souri comment? J'ai souri comment? J'ai dit, on dit, non, c'est pas maintenant, prends bagage. C'est-à-dire, moi, je voulais prendre bagage comme si c'était car. On dit non, c'est là-bas, on prend. Je suis fâché. J'ai demandé, ceux qui sont venus là, j'ai dit, où est la gare du TGV? On dit, c'est pourquoi? Il dit, c'est mon ticket retour. On dit, hein? J'ai dit, oui. Ma fille, j'ai pris ticket retour. Mais tu as payé aller-retour. C'est pas moi qui ai payé. De toute façon, tu as payé mon billet là. J'ai dit, vous voulez me tuer ou bien? En hiver. Ouais, quand je suis monté dans l'avion, parce que moi j'aime trop Air France. Air France, psychologiquement, ça m'aide. Quand je suis dans Air France, je suis couché comme. Air Suisse. Oh, est-ce que moi je suis un Suisse? Je suis de, Suisse, les Français m'ont voûté. Quand il m'a dit que Air France m'a fait. T'as fait qui? Mais toi tu es de Suisse. Moi je suis Français, ils m'ont voûté depuis l'école primaire, ma fille. Regarde même, hein. Les Français, depuis l'école primaire, ils quittent la France pour venir prendre Air Suisse. Hein, ma fille, je ne connais pas ça. Atterrit en Afrique. Moi, mais c'est ça le problème. Ils nous envoûtent avec leurs produits. Mais ici, il n'y a pas trop de produits ici. Hein. Voilà, donc on va aller manger le garba. Je vais manger le garba. Ça fait du bien, hein. Après la salle, je suis prophète, non? Ouais. Oui, toujours en train de chasser des mensonges. Des mensonges. Je ne sors pas. Tu ne sors pas. Hein? Vous êtes combien? Je suis guédé. Guédé qui? Sors. Ouais, tu vois, non? Après la salle, on est homme, tu vois, on bavarde, ça fait du bien, tout ça. Monsieur, j'espère que tu n'envoies pas un message bizarre. Non, il n'a pas même pas osé, le prophète. Il me connaît. Mais pourquoi depuis qu'Annie est venue? Depuis que ta femme est venue, tu es si portable. Je n'aime pas les femmes même qui toujours sont portables. Tu fais quoi sur Facebook? Si tu n'as pas envie de regarder la page de ton papa, prophète Crasso, laisse le portable. C'est ça qu'il est en train de regarder. Voilà, maintenant, regarde. Mais toi, tu fais quoi sur WhatsApp? Non, WhatsApp, c'est... C'est ça. C'est le prophète a trouvé le problème. Profite bien, profitons ensemble. Tu fais quoi avec WhatsApp? Si cette femme-là, tu ne la regardes pas bien...
faut laisser sans te croire. Mais on dit la confiance ne suit pas le contrôle. Si cette femme-là, tu la regardes pas bien, tu as un esprit de dragon. Tu as un esprit de Gbagbamelin. Et Gbagbamelin, on le mate. C'est-à-dire que Gbagbamelin. Il y a une chanson qui parlait de la femme que le jour qu'il aura envie de te faire du mal, il faut d'abord qu'il écoute cette chanson, puis il va lui remettre à plat. Il y a un problème entre vous avant. Bonne question. Non, ils n'ont pas de problème. De toute façon, tu envoies un proverbe. Ma vie. Tu ne peux pas entrer. Tu parles à quelqu'un qui a dans son cerveau réfléchi 5 fois avant de parler. C'est quel proverbe tu envoies là? Elle dit que c'est son mais tu dis d'écouter chanson. Comme on était en train de causer, il prie souvent avec eux. Alors il lui a dit que il m'envoyait il me demandait si je connaissais les musiques qui chauffent là-bas. J'ai dit oui, je suis au courant. Alors il m'a envoyé une chanson en me disant que je montre à Prince que le jour qu'il aura envie de me faire un jour du mal ou bien qu'il va penser qu'il écoute d'abord cette chanson. Donc tu n'avais pas encore dit. Non, je parle comme le prophète. Bon, là où Satan est parti, là, le prophète va... le prophète va couper la vidéo. Super, de temps en temps, il faut parler avec les enfants. C'est le temps d'aller manger. Voilà, manger. Ayez pitié de moi, aidez-moi à faire mon ministère. Pourquoi vous allez me détruire? Pardonnez. Je vous en supplie. Je suis homme comme vous, mais le ministère de la rhétologie, excusez-moi. Shalom.